Tac. Voilà, re toutes et toutes. Encore bon app si vous êtes à table. Je reprends le direct. Alors, avant de continuer le bilan, je vous renouvelle hein, une nouvelle fois mes voeux. Je le ferai encore aussi à la sortie d'antenne ce soir. Alors, une bonne nouvelle me concernant, j'ai plus de fuite. J'ai réussi. Alors, c'est bizarre, j'ai un robinet à retardement, mais ça a arrêté de goûter. Donc, la situation est sous contrôle. J'enverrai ça avec un technicien. Enfin, bref, j'ai un rendez-vous d'entretien dans la quinzaine là pour justement en partie ma tuyauterie, mais surtout mon chauffage. Je pourrais poser des questions à l'intéressé, il connaîtra peut-être des trucs. Enfin bon, bref. C'est bon, je suis déjà rassuré, mon problème de tuyauterie est passé, j'ai su le maîtriser, je suis ravi. J'ai trouvé le maudit robinet. Donc, deux mauvaises nouvelles. Alors, me concernant moi avant tout, j'ai regardé rapidement l'actualité locale et internationale. La locale, j'ai malheureusement deux personnes qui sont mortes et deux en sale état à bord d'une berline allemande, pas très loin de chez moi. La vitesse était excessive et... Donc voilà, c'est tristounet mais c'est les drames de la Saint-Sylvestre. Et le Japon, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent l'actualité internationale, mais le Japon, ils ont passé le réveillon le Nouvel An avec des tremblements de terre et pas des petits. Il y a une alerte tsunami, raz-de-marée qui a été levée il y a peu, mais quand on voit les séquences, le peu d'images que j'ai vues, ça me fait mal au cœur. Une pensée pour le peuple japonais. Je vais démarrer la nouvelle année dans une ambiance japonaise. Je sais déjà qu'il va être lourde, dure, mais bon, c'est la vie. Je démarre très fort l'année, moi. Wouh! Dès le jour de l'an, c'est... Mais bon. On va faire comme la tuyauterie. Si on prend bien les choses en main et qu'on s'acharne sur le problème, on le résout et ça, on peut en partie passer l'éponge. Mais bon, on y croit. Dur, dur. Voilà. Voilà pour les dernières nouvelles. Je vais continuer mon bilan. Je vais regarder le chat en même temps. J'ai pas mis la bonne scène. Attendez, vous voyez pas mon... C'était bien ce que j'avais fait tout à l'heure. C'était quoi? C'était... Ouais, le schéma de promenade était pas mal comme plan d'OBS. Faut que je voie le chat, que vous puissiez interagir avec moi. Re tout le monde. Alors, les jeux. En grande partie, vos cadeaux, vous êtes des amours, vous m'avez gâté. Et je vais mettre à l'honneur les jeux, évidemment, que vous m'avez offerts, ou que vous m'avez fortement proposés. Voyez mon tableau, hein, vous le disiez par rapport à tout le monde. Il pourrait y avoir du Borderlands que je ferais en coop avec Nayonet. Il pourrait y avoir, alors ça, je suis motivé, je vais le faire, je pense, je vais commencer une première partie en janvier, de The Hunter, Call of the Wild, le chasseur, l'appel du sauvage, enfin de la mère nature, là, que m'a très gentiment offert Nash, merci à lui. J'aimerais aussi me lancer dans State of Decay. Alors, le premier opus, alors que Total parle déjà du second qui peut jouer en multi, j'aimerais moi découvrir le premier opus de mon côté. Black Mesa, merci Christella. Il faudrait que je le fasse aussi. La réinterprétation moderne, retravaillée du premier Half-Life. Ah là 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 là, c'est vachement tentant. Bah, The Elder Scrolls Online. Voilà, je le fais occasionnellement. J'ai mis quand, pourquoi, occasionnellement. Encore merci. Oui, c'est ton retard, effectivement. Faut que j'en lise mon tableau pour savoir qui m'a offert quoi. Je le fais de temps en temps, The Elder Scrolls Online. Et sûrement, je pense qu'on arrivera à se faire une, voire deux sessions dans l'année, à se resynchroniser à ce qu'on joue ensemble. Parce que là, pour le moment, j'y rejoue, mais dans mon coin. Mais c'est féerique, hein. Il est magnifique, The Elder Scrolls. J'apprécie, franchement. Twin Sen qui m'a relancé sur du Portal. Oui, il y a des gratuits en solo et en coop. Je vais continuer du Portal, je ne sais pas quand dans l'année, mais il faut que je fasse ça aussi. Le Fear, je saute, ah, pardon, je reviens à petit Seb juste après. Fear, oui, il faudrait que je continue. Le problème, c'est que la suite de l'extension du 1, elle est en anglais, et ça fait suer. Parce que je peux pas faire un jeu aussi musclé, souvenez-vous du Fear. First person shooters, hein, un jeu de tir à la première personne,
Il est tellement rythmé, dynamique, que j'aurais certainement pas le cerveau et le délai possible pour gérer le chat, le jeu, avec action plus traduction. Je peux pas. C'est impossible. Surtout que j'ai un anglais moyen. Alors, pour peu qu'il fasse de l'argot ou je sais pas quoi. Tu as raison, fun fan. Oui, j'ai zappé aussi. Ouais. J'ai zappé le fait qu'on a ça sous la main, c'est qu'on se fasse effectivement le Resident Evil 5, le cinquième opus, via la PS3. Et oui, je l'ai noté. Voilà, quand PS3, c'est ça. à voir. C'est. Voilà, c'est sous. C'est dans les cartons. Donc Spelunky avec Petit Seb, on a découvert la coop, alors qui est particulière parce qu'effectivement c'est la coop en jouer ensemble qui est un mode spécial programmé par Steam, comme si votre coéquipier était à côté de vous dans votre salon. Donc effectivement il y a un problème de caméra, franchement c'est bien pensé, mais bon ça a ses limites, ça vaut pas un bon vrai jeu en multijoueur. Et du coup, bah voilà, il y a Petit Seb qui avait déjà lancé ce matin le coup du second opus, que je connais pas du tout. On verra, là aussi. Dragon Sky qui m'a offert Hacker Evolution. Alors lui, si je le fais cette année, c'est pas sûr, je le ferai sur ma chaîne YouTube. En vidéo à la demande, parce que c'est un jeu très particulier. Hacker Evolution, c'est vraiment spécial. C'est un jeu en ligne de commande. En fait, il n'y a quasiment pas d'image. C'est quasiment que du texte et c'est des puzzles logiques, mathématiques, informatiques, à dire j'explose tel serveur, tel routeur, tel ordi dans le réseau. C'est un jeu qui m'intéressait, il a eu la gentillesse de me l'offrir. Et je m'y frotterai, je sais pas quand, mais celui-là je le ferai pas en direct parce que le thème se prête pas au direct. Il est trop prise de tête, il est pas captivant pour un public, j'y crois pas du tout. Petit Seb aussi qui me lançait en bah voilà la même technologie de jouer ensemble au Love in Dangerous Space, enfin un truc dans le genre là, qu'il faudra qu'on fasse aussi, et je pense que ça arrivera assez rapidement. Je présume qu'on va continuer Raft, on va finir l'histoire principale de Raft dans les samedis à venir, ce qui m'arrange beaucoup parce qu'on est encore dans la mauvaise saison, ça veut dire qu'il fait froid. Froid contre carte graphique qui carbure, qui chauffe. Il faut que je ménage mon ordi, mon vieux coucou. C'est bien de faire le jeu Raft dans la mauvaise saison pour moi, parce que ma carte graphique carbure sous Raft, et c'est bien de. Voilà, de température froide, ça le calme. Ça évite qu'il monte en fièvre. Et je pourrais pas. Je le ferai pas en été, Raft. J'ai trop peur de perdre mon ordi. Et après, on fera aussi le jeu dans l'espace. Le Starbound reviendra aussi. Le Starbound revient de temps en temps. Oui, t'aimes beaucoup le comment je me suis organisé à la chiasse. Oui, j'ai compris. Le coup de dire quand, pourquoi, c'est PS3. Oui, je sais. Mais voilà, c'est mon organisation. Excusez-moi. Ah, alors Minecraft. Wouh! Alors, j'explique Minecraft et après. On passe à un jeu, je vais me faire sûrement du flat out tout pour me déchaîner, me défouler. On se retrouvera à 15h pour du Pico Park. Je m'arrêterai peut-être d'ailleurs 10 minutes avant en Pico Park, le temps que tout le monde se synchronise dans la vocale et que moi je fasse la suite de mon bilan. Alors Minecraft, merci les copains, vous êtes venus en nombre le mois de décembre. Est arrivé Couillère, est arrivé Petit Seb, est arrivé Lynn. Narium aussi, et Bastos qui est arrivé pas plus tard qu'hier. Donc ça fait 5 arrivées, c'est juste énorme. Oui, je précise, Lynn est très discrète et n'aime pas jouer lorsqu'il y a tournage Twitch. Bon, c'est assez rare. Voilà, il faudra juste prévenir si Lynn est connectée, si l'un d'entre vous fait un direct. Ayez la gentillesse de prévenir Lynn, comme quoi, voilà, on est en direct à Twitch. Oui, c'est des notes, pardon. J'ai noté à la chiasse des infos que vous m'avez données et qui ne correspondent pas à mon bilan, mais. Je voulais la localisation de petit Seb. Voilà, carte de mon cru. J'ai personnalisé la carte 2D. Donc, petit Seb serait là. Voyez les territoires. Nacheveman, moi, c'est l'SDN. Il y aurait Tota qui est là, Poupon qui est là, Nayone qui est là, Couillère est là. Moi, je revendique la partie en glace. Parce que je veux y faire mon château bah, dans l'année courante, là maintenant 2024. Et alors
Alors, je ne sais pas où vont s'installer. Je compléterai. D'ailleurs, il faudra qu'on comble le noir, là, qu'on aille visiter la partie du continent. Je rajouterai les territoires de chacun qui revendique quoi, où est Lynn, où est Bastos, par exemple. Voilà. Ça... Mais c'est bien, c'est cool. Donc, le grand trait horizontal blanc, vous reconnaissez la voie de circulation? Message de Fun Fan 1992. Tu vis en Antarctique pour le pétrole. Ouais, on pourrait croire. D'ailleurs, j'ai connu un greffon de Minecraft où on gérait du pétrole, des nappes de pétrole. Et c'était pas con. C'était pas con, mais ça fait pas partie de la version d'origine de Minecraft. Mais peut-être que ça sera intégré un jour. Et c'était pas. Franchement, c'était pas idiot. Donc, vous connaissez ma grande ligne que je vais bientôt inaugurer, là, qui fait 7 minutes temps réel de bout en bout de notre continent. Je commence à faire la gare du côté de Bella Sabla, du côté là où je gesticule le pointure de souris. Et puis plus tard, en fin du mois de janvier, avec un peu de chance, je ferai l'autre gare à l'autre bout. En pointillé, c'est la possiblement, sous réserve, possiblement, mes raccords à moi de la voie de circulation, des jonctions, là. Celle-là, j'ai commencé à la faire. Vous savez de quoi ça correspond, hein, ceux qui sont connectés au serveur. Je voulais dire quoi d'autre? N'hésitez pas, vous, à greffer votre propre réseau sur le mien. Hein. Ça me dérange absolument pas. On a déjà discuté entre nous en vocal. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Alors attends, je sais. Oui, non, j'ai lu dans le. Ouais. J'en reparlerai de Discord plus tard. Oui, alors les greffons. C'est un sacré bas âge. Katz, tu dis, mais c'est quoi l'idée derrière le serveur Minecraft? Ah bah l'idée derrière le serveur de Minecraft, je leur laisse la carte parce que je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un. L'idée du serveur Minecraft, si tu veux l'origine, moi je jouais en multijoueur en famille. J'avais loué un serveur privé avant mon expérience Twitch, Katz. Je jouais en famille. Et puis, bah, quand est arrivé le fait que je pouvais me lancer sur Twitch il y a 2 ans, je me dis, bah tiens, avec l'accord de mon cousin, parce que c'est surtout avec mon cousin que j'y joue à Minecraft. La vie fait qu'il a moins de temps pour y jouer, malheureusement, désormais. Je dis, bah tiens, je vais faire vivre le serveur Minecraft sous une nouvelle carte, mais avec les copains de Twitch, la communauté de Twitch. Et actuellement, là, techniquement, on paye le forfait de location du serveur pour être 8 joueurs simultanés connectés. Bon, je crois qu'on n'a pas encore atteint ce plafond. Là, en ce moment, les meilleures audiences, on tourne à 6 joueurs connectés en simultané. On est tranquille, je pense, pour les 2 ans à venir. Même avec les 5 nouvelles arrivants de ce mois de décembre, qui, voilà, c'est. Alors que personne n'est quasiment arrivé du restant de l'année. Ça se passe à la fin de l'année. Bon, j'y peux rien, c'est tant mieux, je suis en joie. C'est cool. Je pense qu'on arrivera rarement à saturer à 8 et se dire merde, il y a un 9e qui arrive. Nayonet a eu la gentillesse de me dire d'ailleurs récemment que, le concernant, Nayonet avait dit moi, Minecraft, c'est un jeu occasionnel, j'en fais pas mon jeu favori. Si à un moment on est 8 et quelqu'un veut rentrer, moi je me déconnecte et je rejouerai plus tard. Donc merci, c'est très sympa de la part de Nayonet. Vous voyez, il y a déjà de la souplesse. Alors toi, petit Seb, tu es là. Moi, je t'ai noté là, petit Seb. Quoi? Je sais pas si j'ai vu juste. Alors, j'ai fait à peu près, pour que chacun sache à peu près où se trouve et revendique quoi comme territoire. Ah non, c'est plus haut. Ah, d'accord. Donc, toi, tu as fait plus du côté lagon bleu. Bleu foncé, bleu marine. D'accord. On se remettra au point. On se remettra au point. Au pire, je vous passerai la carte de Dévierge. Ceux qui vont la télécharger et la bidouiller pour eux, et moi, enfin, me retourner à moi, leur version à eux, je revendique ça, et puis je ferai le point de tout le monde. On peut s'organiser comme ça. Oui, la montagne de neige est au-dessus. Ah, alors attention de ne pas sortir du continent. Je crois qu'il reste plus beaucoup de terre au-dessus, au-delà de la carte. Attention, parce que sinon ça enfle sur le disque dur du serveur. Alors moi, je le vois dans les jauges de contrôle en tant que locataire de serveur, au niveau du prestataire de service. Mais surtout, évitez de sortir du continent qu'on voit là, visible. Et essayez de vous en tenir à ça, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va devenir ingérable. Mais bon, ça va. Je pense que petit Seb, là où t'es, le continent s'arrête assez vite. Ça doit faire une forme, un truc dans le genre là, avec le curseur de souris. Et après, c'est la mer, je crois. Tu m'enverras, je te ferai le tracé, parce qu'on se comprend pas. Il n'y a pas de souci, petit Seb.
On va se faire ça. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Kat. Oui, il vit en ermite, ouais, c'est bizarre. Il s'est planqué, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il s'est mis tout de suite à l'angle loin. Oui, alors, greffon des modes serveurs mis à jour à l'occasion bulletin d'info dans le Discord. Alors, oui, je communique. Dès que je m'apprête à faire une manip importante, du genre faire une sauvegarde qui me prend quelques minutes finalement, mais que je vois des gens connectés, je dis, bah voilà, je négocie, je dis à quelle heure tu te déconnectes, machin. Moi, juste derrière, je fais la sauvegarde, le temps de couper le serveur et de rapatrier les fichiers. Bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai les infos aussi au niveau de quand est-ce qu'on change de version. Parce que là, on ne joue pas sur la dernière version du jeu. J'ai des problèmes de greffon qui peinent à se mettre à jour. Donc j'essaye de trouver un juste milieu où on perd pas trop de choses et on perturbe pas trop nos règles de jeu, puisque maintenant on a une dizaine de greffons à nous. Comme la gestion de la mort là qu'on aimerait bien retrouver, qui est. Voilà. Je vais regarder ça cette semaine. Je vais regarder ça sur mon temps libre cette semaine. Et je vous tiendrai au courant. Pour le moment, on est sur la point 2, hein, pas la point 4 ou la point 5 qui est la dernière venue. On est sur la point 2 en ce moment. 1.20, point 2. Visitez le centre culinotaire. J'y reviendrai pour les nouveaux joueurs. Je vous rebifferai quand. Je vous rebifferai. Je vous ferai un briefing, comme limitaire. En vocal. Quand on suit en vocal le soir, qu'on y joue entre nous. Je vous guiderai, vous en faites pas, je me répéterai autant de fois qu'il faudra pour que ce soit clair pour chacun et que vous soyez à l'aise. On est deux dans la base, dit petit Seb. Ah oui, il fallait que je rajoute Lynn. Oui, bah je rajouterai Lynn, si tu veux, dans le schéma. J'essaie ouais, d'être le plus complet possible et pas être trop saoulant non plus et d'éviter de faire des Alors sur YouTube, ah oui, une bonne nouvelle. Énorme. Ça, je verrai sur mon temps libre de cette année. J'ai retrouvé en fait plein de captures d'écran sur un de mes disques à l'époque où j'y jouais en famille. Mais les captures d'écran, j'en ai tellement que j'ai pu faire un film. C'est-à-dire que je mets une capture d'écran toutes les 4 secondes. Et parfois, ça va loin. À un moment, j'ai une année, ça dure 1 heure et demie, je crois. C'est l'année la plus riche de Minecraft. J'ai plein de choses à dire. J'ai pas encore regardé le résultat. J'ai pas regardé le diapo. Je vais m'enregistrer à la voix en train de regarder le diapo. Ça va me rappeler des souvenirs. Et je vais poser ma voix sur le film. Ce qui fait que, pour ceux que ça intéresserait, si je joue du contenu en plus, et moi, ça me fait plaisir. Plus tard arrivera sur YouTube ma rétrospective de comment j'ai vécu Minecraft avec la famille de mon côté avant l'expérience Twitch avec vous. Et c'est sympa. J'ai trouvé ça. L'idée m'est venue dès que j'ai retrouvé les fichiers. Je me suis dit, mais oh merde, c'est toujours ça de pris. Rococosy. Alors oui, diffusion occasionnelle. Oui, j'ai perdu l'habitude de faire du Minecraft le dimanche après-midi. Parce qu'il y a tellement de jeux, on l'a vu précédemment, il y a tellement de jeux que bah, je fais presque exclusivement que du Minecraft en semaine hors antenne. Et c'est pas plus mal, comme la dynamique me plaît. Mais de temps en temps, on va dire 3-4 fois par saison, par an, je pourrais reprendre un dimanche après-midi en disant, ah tiens, allez, si on se fait du Minecraft en direct, ça reviendra de temps en temps. Mais ce sera plus régulier comme jadis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu changé mon blabla automatisé dans ma chaîne, là, que ce soit plus contradictoire, parce que j'ai changé mon habitude. Et évidemment, les autres, n'hésitez pas à diffuser, je vous invite à le faire sur vos propres canaux. Voilà, il y a Christella qui fait. On a pris l'habitude qu'elle fasse une visite tous les 6 mois pour voir qu'est-ce qui s'est passé un peu partout. Alors la prochaine, elle va être belle, Christella, parce qu'avec les nouveaux arrivants, ça va être vachement intéressant. C'est cool. Torota, j'aime bien. Torota, il en fait un peu. Enfin. Un peu tout le temps. Il en fait surtout quand il y a de la nouveauté, qu'il y a une nouvelle version, surtout majeure, et qu'il y a des trucs à tester. Là, ça relance Torota sur Minecraft, et il y a plusieurs épisodes en direct qui tombent sur sa chaîne. Et c'est sympa, j'aime bien cette dynamique. On fait. C'est cool. C'est que du bonheur à vivre. Oui, alors ça, c'est mon problème. Soirée Minecraft avec vocal. Bah oui, mais les soirées en semaine vocale Minecraft, voilà, j'aurais même pu la souligner. Je passe plus chez les autres sur Twitch. Eh, je peux pas être partout à la fois, c'est ça qui m'enquiquine. C'est-à-dire que je suis content de vous retrouver, vous, communauté, maintenant que c'est bien animé du côté de Minecraft, quasiment tous les soirs. Eh ben, je vais plus sur les chaînes des autres. Ou alors je fais un bonjour symbolique, coucou, j'espère que tu vas bien, machin. Je reste en sous-marin.
Je laisse l'onglet tourner voilà, dans son coin pour recréditer, hein, vous savez, d'un plus un, les compteurs d'audience pour soutenir. Mais après, toute mon attention est accaparée dans Minecraft et de bavarder avec les copains sur Discord, vous voyez? C'est. On peut pas tout faire en même temps. Donc, malheureusement, je vais pas disparaître, mais je vais me faire beaucoup plus discret sur Twitch chez les autres. Donc là, ça m'enquiquine un peu, mais voilà, comprenez pourquoi. Christelle est beaucoup sur le serveur des petits Seb en ce moment, elle m'aide beaucoup. Ah bah c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Bonjour Edge, meilleurs vœux, Zoubi. Bonjour, bonjour Edge. Surtout que certains font quoi une mauvaise interprétation, nous impose un jeu. Oui, c'est pas grave ça c'est des problèmes de communication, fan, ça arrive dans toute communauté. Mais on finit par voilà, trouver un quiproquo ou solutionner voilà, le différent, entre guillemets. Oui, t'en fais pas, fan. Mais ça, c'est un problème humain, c'est un truc récurrent. Voilà, faut réussir à bien gérer la communauté. Je m'en fais pas plus que ça, fan. T'en fais pas, va. Oui, alors, nouveauté de cette saison, ça y est. J'ai envie de dire, heureusement que Bastos est arrivé hier. Parce que symboliquement, ceux qui maintenant veulent rentrer dans le serveur. J'ai préparé un bulletin d'inscription qui est obligatoire. C'est-à-dire que je vais oui, téléchargeable depuis le salon bibliothèque dans le Discord. Vous pouvez faire aussi l'icône Minecraft avec la tête de Creeper. Ça vous donne le lien. Pour télécharger, voilà, le bulletin d'inscription. Bah voilà, j'ai besoin d'avoir votre nom pour vous inscrire dans la liste blanche sur le serveur, que vous puissiez vous connecter. Et de toute façon, dans le bulletin d'inscription, il y a toutes les règles. J'ai fait les 10 commandements de bien vivre ensemble en communauté sur un serveur Minecraft, que tout se passe bien. Avoir les bons réflexes s'il y a un souci, s'il y a une question. Et tous les détails techniques, comment on se connecte. Je vous donne un peu mon état d'esprit, comment je gère moi le serveur au quotidien, pour que vous sachiez, voilà, que vous ne soyez pas perdus. Vous soyez à votre aise. Le reste, on en parlera un peu plus tard. Allez, on va un petit peu jouer parce que j'ai baratiné pendant 15 minutes. Je vous ai bien saoulé. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais bon, ça fait partie du débat. Alors, je vais faire du flat out 2, moi. Ça va me défouler. Et dans une heure, on se fait du pico-park. Du pico-park.